Hi everyone! We're still in the gag studio, and these are just a few of the costumes the Laurier family might have used for some of their pranks. Today, they tell us the behind-the-scenes stories of some of their famous pranks. But before, if you haven't seen last week's interview, you might want to click here and watch it. If not, here it is. Il y a un photographe qui demande à une victime qui passe shooter avec le gun à confetti. On sort, la personne est vraiment dedans, elle nous voit, on voit dans ses yeux que oh, un mariage, c'est donc ben beau. Appuie sur le fusil et c'est de la boîte qui sort et je me fais salir de partout. Ta belle grande robe. Ma belle grande robe et là je suis en pleurs, ma mère me console, mon mari est fâché. La face du monde, ça n'a pas de bon sens, comme s'il venait de gâcher la plus belle journée de ma vie. Et c'est un gag où j'ai tellement ri parce qu'une fois, une victime est là avec son gun à bouette. Le photographe fait signe, cue, elle déclenche, mais en bougeant. Maud l'a tellement eu dans la face. Et c'est tu sais, elle est tout sourire comme ça, de quoi, pendant 20 secondes, et pas question de la consoler. Je suis demi-tour comme ça, je riais tellement, je me disais, je pourrais pas revenir. J'en avais des yeux, ah ouais, j'en avais partout, des là. C'était comme un mélange de yogourt, il faisait super ah ouais, chaud, ça puait, c'était dégueulasse, mais comme l'énergie était vraiment le fun sur le plateau, c'était bien cool. Le congélateur, c'est une histoire derrière ce gag-là. Mais cette journée-là, l'équipe m'a joué un tour à travers le gag que je vois moi-même. Parce que il y a un monsieur qui a fait le saut, mais contrairement à tous ses frères, il a pas été expressif à mort. Il a vraiment fait juste un... Puis il a refermé la porte. Mais il est revenu après. Et là, il s'est mis à dire, j'ai été opéré pour le cœur, c'est dangereux, je peux mourir. Il ouvrait sa chemise, puis il avait sa cicatrice qui était là et tout, tu sais. Mais moi, je suis dans le glaçage, je suis pas capable de sortir de là. J'ai des blocs de glace plein jambes, puis je fais, je parle à Gilles Denis, qui était le réalisateur. Je sais qu'il y a un micro en dedans, je fais, Gilles, s'il te plaît. Mais il n'y a personne qui vient. On me laisse là-dedans, puis la victime qui est devant moi, il fait « Mais t'es folle! Il n'y a pas de Gilles! Gilles, s'il te plaît, veux-tu... » Je parle à un congélateur vide avec personne qui apparaît. Je voulais le arracher à la tête, tu sais. On a fini par aller chercher des ambulanciers. Il y avait une ambulance au dépanneur. On est allé chercher des ambulanciers pour qu'ils viennent le vérifier, là, puis qu'ils disent « L'action est bonne, tout est beau, vous ferez pas de crise de cœur. » Et là, Gilles, il est venu me voir. Tout le monde rigolait beaucoup. À un moment donné, on a un plateau de crevettes, là. Puis le comédien a deux grosses crevettes dans les doigts, en fait. Donc, il y a un trou dans le plateau, il tient le plateau, comme ça, présente le plateau aux gens, puis dit « Voulez-vous des crevettes? » Et je vais faire le saut à victime en devant les crevettes. Hey, faire le saut, Antoine, regarde! Mais il y a... Moi, ce que, tu sais, c'est ça, fait que ce genre de gag-là, okay, tu fais faire le saut, mais la victime fait pas le saut. Pas en tout! Puis elle essaie de continuer à manger des crevettes! Non! Ben là, tu m'offres des crevettes, puis... Ouais, non, ouais, mais il y a un gag! Mais... Ouais, non, mais je dois te faire faire le saut! Ah! Je peux-tu prendre une crevette? Over the next year, you're gonna see a lot of behind-the-scenes, uncut footage that won't air on the prank, but you'll get to see that on the Gag Studio channel. So while you're here, subscribe to the channel and don't miss any behind-the-scenes footage. Until then, come back next Friday to find out how Antoine does it to keep his cool when the prank is just way too funny.